que tu es venu faire dans sa vie, esprit malin, esprit méchant? Lâche-moi, ma tchatchouk. D'où vient ta suce? D'où vient ta suce? D'où vient ta suce? De la sorcellerie. De la sorcellerie. Donc c'est un esprit de sorcellerie que tu as lancé dans sa vie. Je vais la tuer en la faisant pourrir. Vous voulez la tuer? Qu'est-ce que vous avez enterré dans sa vie qui n'a pas guéri? Qu'est-ce que vous avez enterré qui l'appartenait? Allez, esprit de la sorcellerie, commence à parler maintenant. Dis ton nom. Dis ton nom maintenant. Qui est-ce qui a fait la sorcellerie contre elle? Allez, je libère le feu. Feu du Saint-Esprit maintenant. Feu du Saint-Esprit maintenant. Faites-la du bébé. Feu du Saint-Esprit. Pendant que ma main est sur toi, tu es embrasé de feu. Ce n'est pas ma main, mais c'est la main du Saint-Esprit. Oh, tu connais la main du Saint-Esprit qui est très puissante. Qui t'a envoyé dans sa vie? Tu es venu faire quoi dans sa vie? Détruire sa vie. Tu es venu détruire sa vie. Qui t'a envoyé dans sa vie? Elle m'a envoyé. Qui t'a envoyé? Qui est elle? Elle. Dis son nom. C'est qui? Elle c'est qui? Elle c'est qui? Elle. Je délie sa langue au nom de Jésus. Elle c'est qui? Elle m'a envoyé. Elle s'appelle comment? La tante. La tante. Quelle c'est tante? C'est sa tante qui m'a envoyé. C'est sa tante qui t'a envoyé, esprit de la sorcellerie. Comment sa tante s'appelle? Comment sa tante s'appelle maintenant? Avant que je t'envoie dans les temps du feu. Allez, on n'a pas assez de temps. Elle s'appelle Janet. Elle s'appelle comment? Janet. Qui est Janet? Laisse-moi. Qui est venue avec elle? Elle est venue seule? Non. Elle est venue avec toi. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Janet? C'est ma tante. C'est ma soeur de mon papa. C'est ta tante, c'est sa marraine. C'est sa marraine. Oui. Non. Ok, donc c'est-à-dire c'est la femme de son papa. Oh là là. Okay. C'est mon père, ça, ça peut pas se finir comme ça. Ah bon? Oh là 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 là, non. Laissez ça, laissez ça. Voilà. Lâche-moi. Je veux m'en aller, je veux la tuer. Attrapez-la maintenant, attrapez-la, ne la laissez pas. Voilà, attrapez son poignet, voilà. Mais pourquoi tu veux la tuer? Qu'est-ce qu'elle t'a fait et puis tu veux la tuer? Je l'aime pas. Tu l'aimes pas? Je l'aime pas, elle est une pute. Point rien comme ça, tu ne l'aimes pas. Mais pourquoi tu as lancé l'esprit de la sorcellerie contre elle? Je veux la tuer parce que je l'aime pas, je la déteste. Tu as vu quel sorcier pour faire ce travail? Ça brûle. Mais ça va brûler, c'est normal. Tu vois les anges qui sont autour là, les anges qui sont enflammés de feu, tu les vois? Ça brûle. Voilà, ça doit brûler. Ça brûle trop, ça fait mal. Ça fait mal. C'est quel sorcier tu es allé voir pour pouvoir tenir sa vie captive, afin de détruire sa vie? Pas très loin. Pas très loin, il habite tout ça. Comment il s'appelle? Parle rapidement. Il s'appelle et comment? Elle-même, elle s'est fait de la sorcellerie. Elle m'a mis là. Ah, elle-même, elle s'est fait de la sorcellerie. Elle m'a travaillé comme ça. Elle t'a travaillé. Ok. Oh là là. Ouh, ça brûle. Oh là là, je n'en peux plus. Soyez disposés, tout le monde. Hein. Il y a la présence de Dieu en ce lieu. La puissance du Saint-Esprit est là. Et les esprits vont commencer à se manifester tout à l'heure. S'il y a un esprit, il y a un démon dans ton corps, il va se manifester. Quand Dieu m'a envoyé à Maurice, Dieu m'avait dit d'aller au bord d'une mer où j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient liées. J'avais vu beaucoup d'habits, ils avaient mis en bas des roches, ils ont mis des giromons, tout ça. Et Dieu m'a dit, prends l'huile, va délier toutes ces personnes. Et tellement ils étaient nombreux, moi-même j'étais fatigué, j'ai laissé d'autres personnes là-bas.
Donc ce que j'ai pu délier, j'ai pu les délier. Pourquoi? Parce que ici les sorciers dominent beaucoup l'île. Et les gens pratiquent beaucoup la sorcellerie. Vous comprenez? Et vous allez voir que ta vie tourne en rond. Mais tu vas voir, il y a quelqu'un qui est là-bas qui t'a fait de la sorcellerie. Tu ne sais pas, mais ta vie tourne en rond. Tu n'arrives pas à te marier. Tout est mélangé dans ton foyer, tout. Pourquoi? Parce que les gens ici adorent la sorcellerie. C'est pourquoi Dieu suscite ses serviteurs afin de délivrer des vies. Vous comprenez? Non. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, tu es embrasé de feu. Je commande par la puissance du Saint-Esprit. Je commande de la libérer. Allez, pousse ton cri et puis sors d'elle. Esprit de la sorcellerie de destruction. Je fais un retour à l'envoyer. Allez, sors d'elle. Esprit de la mort. Allez, sors d'elle. Moi, je suis plus fort que toi. Sors d'elle. Tu peux pas me sortir d'ici. Parce que je suis fort. Moi, je suis pas fort. C'est Jésus qui est fort. Tu peux pas. Tu comprends? Je suis pas fort. Moi, je suis un homme. C'est Jésus qui est fort. C'est lui qui va te débarrasser là. Allez, je commande maintenant au nom de Jésus. Allez, sors de ce corps par la puissance du Saint-Esprit. Je suis moins fort que toi. Et puis tu cries. Et puis tu dis ça brûle. Ça brûle trop là. Ah, ça brûle trop là. Je n'en peux plus. Arrête tes intimidations et puis sors. Je commande maintenant par la puissance de l'esprit. C'est tes dernières heures dans sa vie. Maintenant, esprit de la mort, je demande de retourner là où tu as quitté et de t'attaquer à la personne qui t'a lancé. Esprit de la mort, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit qui m'est conféré, ce corps ne t'appartient plus. Ce corps appartient à Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, pousse ton cri et puis sors d'elle. Pousse ton cri et puis sors d'elle. Pousse ton cri et puis sors d'elle. Pousse ton cri et puis sors. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur.